Il a perdu son calepin et ça l'a rendu très triste. Il m'a appelé pour que je retrouve son calepin et j'ai appelé mes amis pour qu'ils nous aident. On a appelé 50 restaurants, nous avons aussi appelé 50 bars dans la ville. Même on ne veut pas trouver son calepin, savez-vous où on l'a trouvé? C'était sous le lit dans sa chambre. Un jour, il a perdu son porte-monnaie. Ça l'a beaucoup déprimé. Il m'a appelé pour que je retrouve son porte-monnaie et j'ai appelé mes amis pour qu'ils nous aident à le retrouver. On a appelé toutes les stations taxi. On a appelé la police ainsi que les hôpitaux. Mais on ne pouvait pas retrouver son porte-monnaie. Savez-vous où on l'a trouvé? Oui, c'était dans la poche d'un autre portable. Écharpe blanche. Je pense que je l'ai oubliée au Virgin Megastore à Paris. J'ai appelé à Tokyo pour la retrouver. Mais vous savez qu'on ne peut rien trouver sous le lit, dans sa chambre. C'est normal.